qui ne font pas régulièrement partie du feu des qui sont pas sous le feu des projecteurs, je voulais dire. Et on va parler donc d'un joueur qui lui est en NBA G League, mais c'est un joueur très très fort. Il s'appelle Yante Maten. Yante Maten qui joue en NBA G League. Yante Maten, c'est comme ça qu'il s'appelle. Yante Maten. Il a été nommé joueur du mois chez le Heat de Miami en NBA G League pour le mois de décembre. Écoutez bien, Yante Maten a disputé sur les 9 derniers matchs de ce joueur. Il a totalisé 29,2 points par match, 11,4 rebonds et 2,2 passes décisives et en contre en shootant à 59% à 2 points, 47% à 3 points et 80% au lancer franc. On rappelle qu'il a ébloui ses fans par une performance le 2 décembre. Il avait scoré 42 points et il avait récupéré 14 rebonds dans une victoire face aux Kings de Stockton. Yante Maten qui joue donc pour les Skyforce a disputé 20 matchs. Il a été 20 fois starter et il tourne, écoutez bien, à 27 points par match. 27 points, 10 rebonds par match, c'est le nombre de points le plus élevé depuis un certain temps dans cette équipe. On rappelle que c'est le leader au scoring de cette équipe des Skyforce. Ça fait 14 fois qu'il est le meilleur scoreur. Il a inscrit au moins 20 points en 17 matchs sur les 17 derniers. Donc voilà, hein, pour qu'un joueur Yante Maten, n'oubliez pas ce nom. On espère que le Heat de Miami pourra le réintégrer dans son équipe première. Il pourrait avoir besoin de ce joueur qui est plutôt pas mal. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.